Dans le titre « Sale époque », j'ai invité Mesrim. Alors ce qui est drôle, c'est que Mes, je le connais depuis 15 ans, voire 20 ans. La prod que j'ai choisie, c'est une prod qui est très sombre, très très dure. Il y a très peu de titres comme ça sur ce projet-là. Et j'ai fait en sorte que chaque titre soit assez unique en son genre. Et pour moi, voilà, Mes, il symbolise ça. Il symbolise l'écriture sombre, l'écriture dure, l'écriture hardcore. C'est le produit de notre époque, ils veulent de la poudre et des bitches. Ça part en couille, les rappeurs chantent comme les Big G's. On vit la crise au quotidien, les rêves se brisent. Suffit d'ouvrir tes yeux, faut pas se leurrer, nos vies sont grises. Ben, le morceau qu'on fait, en fait, il a une couleur un peu new-yorkaise, on va dire, tu vois, sur le projet. C'est produit par Just Music. Et donc, voilà, c'est un morceau qui parle de notre époque, tu vois, c'est un morceau assez street, quoi. Et pour moi, voilà, il symbolise vraiment tout ça au niveau du rap marseillais. Il fait partie de ceux qui savent le mieux le faire à Marseille. Donc je l'ai appelé, je lui en ai parlé, il était assez chaud. Je lui ai demandé d'écrire un long texte, un 32 mesures. Et bon, il a fait mieux que ça, il m'en a écrit deux. Puis voilà, en studio, pareil, j'ai apprécié le fait que le type pose à l'ancienne, entre guillemets, c'est-à-dire tu ouvres une piste et le type il te sort son 32 mesures d'une traite. Il n'y en a pas deux comme ça dans le projet.